Et on est de retour, bien sûr, pour découvrir Monorail Stories, donc, qui est sorti, alors, qui est développé par Stellex Software, qui est édité par Freedom Games et qui est sorti le 30 septembre 2022. Donc Monorail Stories est un jeu d'aventure où des gens ordinaires vivent des choses extraordinaires. Montez à bord du monorail et laissez-vous porter par une histoire d'humanité, d'amis et de destins entremêlés dans les trajets du quotidien. Donc du coup, il est sous-titré en français. Voilà. Et il est à 14,99€. Donc je vous mets le lien. Hop. Voilà, je vous mets le lien Steam dans le chat. Et donc c'est le dernier jeu du jour, enfin, le dernier jeu qu'on découvre aujourd'hui. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Ah oui, on peut jouer à deux. Je crois qu'il y en a un qui peut incarner, parce qu'il y a des choix à faire et tout. Il y en a un qui peut incarner... J'ai oublié leur prénom. Du coup, c'est génial. Bah, ça va être là. Sylvie et Amad. Amal, pardon. Voilà. Et dans les options, par contre, il faut bien penser à... Je crois à cocher ou décocher le fait que les sous-titres, c'est à nous de les passer. C'est à nous de passer les dialogues. Ce qui peut être important, parce que sinon, ça va quand même assez vite. Donc lundi matin, ville de M vers la ville de L. C'est officiel, je L est lundi. Amen, tu n'as pas l'air en grande forme. Tout va bien? Tu n'as pas l'air au mieux et t'as même ton écharpe porte-bonheur? Alors attendez, est-ce que je peux juste baisser peut-être les dialogues? Ouais, parce que vu que c'est moi qui fais les voix, il n'y a aucun intérêt à en avoir. Voilà. Laisse-moi deviner, tu t'es encore disputé avec Charlie? Alors, voilà, et là, du coup, on peut répondre gentiment, de manière énervée ou ne rien dire. On va dire gentil. J'en ai tellement marre de me disputer sans cesse à propos des mêmes sujets. C'est toi qui en as parlé, non? Bien sûr que c'est moi. Oui, je sais que c'est un sujet sensible entre vous deux. Tu as raison. Désolée, Marc, je suis trop crevée pour en parler tout de suite, vraiment. Ok, ok. Bon, je suppose qu'on se reverra ce soir. Là, c'est les copains de... C'est les copains de trajet, quoi. Lundi matin, ville de L vers ville de M. Je sens de bonnes vibrations partout aujourd'hui. Une bonne semaine m'attend. Ah, donc on peut prendre l'écharpe. Hein. On peut la regarder. Ah tiens, quelqu'un a laissé une écharpe sur le siège. Prends. Jolie écharpe. Qui a bien pu la laisser ici? Le journal. Alors, oula, il y a la souris qui est là, je l'avais pas vue. Grâce à un pénalty de dernière minute, L remporte la victoire sur M dans un derby historique. Les élections voient les isolationnistes former une nouvelle majorité au sein du conseil de M. D'accord. Les isolationnistes? Qu'est-ce qui se passe à M? Boîte d'objets trouvés. Ah, on peut la mettre dedans, on peut la garder, c'est trop bien. Oh, c'est grave cool. On va la mettre dedans peut-être, non? Et voilà, ravi de t'avoir rencontré, écharpe bleue. D'accord, ouais, donc on peut faire le choix aussi de la garder ou autre, quoi. Pas mal. Donc lundi soir, ville de L à ville de M. Maintenant, je dois me concentrer et retrouver mon écharpe. Mon Dieu, j'espère qu'elle n'est pas perdue. Donc peut-être pas aller aux gens, parce que là, je passais, mais... Homme endurci. Regardez, je ne le connais pas, mais il ne m'a pas l'air digne de confiance. On va lui demander à propos de l'écharpe. Bonjour, monsieur, vous n'auriez pas vu une écharpe bleue dans le coin? Est-ce que je ressemble à une boîte aux objets trouvés? Non. Mais ce truc là-bas, oui. Alors tu sais quoi faire? Ok, bonne ambiance, bien sûr. Ça fait plaisir. Machine de distribution. Hors de question que j'ai sais quoi que ce soit là-dedans. Je ne serais pas surprise d'y trouver quelque chose de vivant un jour. Ah, pas faux. Une fille suspicieuse. J'aime bien, elle est décrite comme ça, une fille suspicieuse. En même temps, vu la dégaine, je peux comprendre. Je dirais aussi qu'elle est suspicieuse, personnellement. On peut lui parler. Bonjour, vous n'auriez pas vu une écharpe bleue dans le coin? Une écharpe. Oui, je me souviens. Votre écharpe, vous l'aviez autour de ce matin, non? Oui, tout à fait. Comment vous savez? Ah, je l'ai remarqué. Vous la portez généralement lorsqu'il fait froid ou que vous faites cette tête. Et vu qu'il ne faisait pas bien froid ce matin, est-ce que ça va? Wouah, t'as la meuf observatrice, quoi. Vas-y, on lui répond. Eh bien, coussi coussa. Enfin bref, je pense l'avoir égarée ici à bord du monorail et... dommage. J'espère que vous la trouverez. Elle vous va ravir. Eh bien, merci en tout cas. C'est la meuf qui m'observe de fou, quoi. Femme au chat. Ah oui, d'accord, elle a carrément un chat dans le métro. Regardez, cette vieille dame transporte un chat rond. Caresser le chat? Bon, elle est mignon. Oh, quel beau chat. Demandez à propos de l'écharpe. Bonjour madame, j'ai perdu mon écharpe, vous ne l'auriez pas vue? Non, ma chérie, je suis navrée.
Est-ce que tu as cherché dans la boîte aux objets trouvés? Merci beaucoup. Oui, on va, mais c'est juste pour parler aux gens, c'est rigolo. Contrôleur. C'est le contrôleur du monorail de la ville de M. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour retrouver mon écharpe perdue dans le train de ce matin. Vous sauriez si quelqu'un l'a trouvée? Difficile à dire, mais j'ai pas entendu parler d'une écharpe. Est-ce que tu as cherché dans la boîte aux objets trouvés? Ça fait un moment que personne ne l'a utilisée. Elle pourrait y être, mais... Comment ça? Elle est protégée par un mot de passe. Bien sûr, un mot de passe. Et est-ce que par hasard, vous vous en souvenez? La première partie est facile, c'est deux chiffres qui se suivent comme 1-2. Mais pour le reste, ça ira, merci quand même. Que super. Bien. Je me disais bien que ça pouvait pas être aussi facile que ça. Oh, merci beaucoup Mickey pour le 8e mois de sub. Merci, comment ça va? Comment tu vas? Alors attendez, je suis en train d'essayer de faire un truc en même temps. Du coup, c'est pas facile. Hein. Y a le monsieur qui est suspect. Bon, du coup, j'ai bien fait de parcourir le truc parce qu'on sait qu'il y a un mot de passe. L'auteur. Je ne sais rien d'elle. Bonjour, cherche une écharpe bleue. Vous n'en auriez pas vu une? Je vois bien des choses. Celles que voient les yeux et celles que l'œil ne peut voir. Des choses qu'on devrait voir et d'autres qui font bien de rester invisibles. Hein? C'est ce que j'appelle le pouvoir. Non, ça ne va pas. Aidez-moi à trouver un synonyme. Trouver un synonyme. Le pouvoir. Responsabilité. Oui, voilà, la responsabilité de l'écrivain. Nous, bénis par le don, je cherchais juste une... Est née avec le pouvoir de créer des mondes, des histoires pour nourrir les âmes affamées. De nobles esprits brûlants de passion et d'inspiration. Mais lorsque... Transformant les mots en épées, boules de feu, monde onirique, elfes, puissants dieux, d'horribles démons voués à jamais à mener la bataille entre la lumière et les ténèbres. Et mon écharpe dans votre histoire? Quelle écharpe? Mon écharpe bleue? Bah, je ne l'ai pas vue, pourquoi ne pas m'avoir demandé plus tôt? Ok, super. D'accord, boulot de nuit, bah écoute, bon courage en tout cas. Et bah moi ça va tranquillou, écoute. Toilette. Les toilettes sont occupées, ok. Mère, une mère et son enfant, demandez à propos de l'écharpe. Bonjour, cherche une écharpe, vous l'avez peut-être vue, elle est bleue. Bonjour. Non, je ne l'ai pas vue, désolée. Désolée. Vous pourriez essayer de regarder dans la boîte aux objets trouvés? Vous y croyez ça? Il me faut un mot de passe pour l'ouvrir. Un mot de passe? Vraiment? Heureusement, Bobby n'a jamais perdu quoi que ce soit dans le monorail, donc je n'ai jamais eu à l'utiliser. Haut de passe. D'accord, merci quand même. Journal, tiens. Quoi? Les isolationnistes? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc le parti isolationniste remporte une grande victoire, nous allons tout changer. Derby de l'air disque, elle, l'emporte dans un match controversé. Ah, le mot de passe, peut-être que lui s'en souvient, le vieux, là. Contrôleur de L. C'est le contrôleur du monorail de la ville de L. Bonjour, je suis à la recherche de mon écharpe. C'est un cadeau d'une grande valeur sentimentale. Vous sauriez si quelqu'un l'a trouvée? Qui tous, je n'ai pas entendu parler d'une écharpe. Est-ce que tu as cherché dans la boîte aux objets trouvés? Non, je n'y suis pas encore allée. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait un mot de passe pour l'ouvrir. Et vous vous en souvenez? Eh bien, je ne suis pas certain de bien m'en souvenir. C'était peut-être un 9, puis un 6. Non, oublie ça, j'en sais affiche rien. Oui. 34 sur les deux derniers chiffres, j'en suis sûre. Eh bien, merci. Voyons ce que je peux faire de ça. Ok, donc 34, et l'autre, il m'a dit en gros que c'était... Que les deux premiers étaient en mode... comment ça s'appelle des chiffres qui suivent. Donc attends, il a dit quoi? 3-6? Attendez, je vais refaire parce que j'ai oublié. Ok. Donc ça finit... Ah mais non, c'est bon, ça finit par 3-4. Ça finit par 3-4 et il faut que je mette 1-2 ou 2-3 ou ainsi de suite. Ah, ou alors ça commence par 3-4. Ah, je sais pas. Ça va être compliqué, ça. On va regarder. Eh ouais. 1, 2, 3, 4, genre. C'est 1, 2, 3, 4, sérieux? Prendre l'écharpe. Yahoo! Je suis tellement contente que j'en pleurerai presque. Une journée si mauvaise qui finit si bien. Quelle surprise!
Et qui va payer mes factures? Quelle... Ok. Demandez des précisions. Désolée de vous déranger, mais tout va bien? Absolument pas. Ils m'ont viré, juste comme ça, en claquant des doigts. Tu y crois? Lui poser des questions... C'était une banque? Je viens de commencer à travailler pour Engelbank. C'est pas le meilleur moment pour travailler dans la finance. Oui, au Crédit Confédéré. J'en reviens toujours pas. Ils m'ont dit que je n'avais pas atteint mes objectifs de ce trimestre et que du coup, ils se séparaient de moi. Oh non, c'est tragique. Non, en effet. Et maintenant, il faut que je me débrouille dans cette fichue économie. Ça va être coton. J'aime bien le « ça va être coton ». Je suis certain que tu vas y arriver. Je viens à peine de trouver un boulot. J'ose à peine imaginer ce que je ferais s'il me virait. On verra bien. Demain, j'y vais une dernière fois pour récupérer mes affaires. Tiens bon, mon gars. Je vais essayer. Merci de m'avoir écouté. Bah, de rien, du coup. Hein. De rien, bisous. Hein. Je veux dire, on essaie d'être soudés, quoi. Sois fort et tout ira bien. Au fait, moi, c'est Robert. Moi, c'est Amal. Enchanté. Enchanté. Bisous. J'arrive tout de suite. Ah, d'accord. Donc là, on peut voir ce qu'on a fait. Alors, attendez. Juste un petit instant. Je suis à vous tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, donc du coup, nous, on a répondu aimablement à Marc. On a mis l'écharpe dans la boîte des objets trouvés. On a trouvé l'écharpe dans la boîte des objets trouvés. On a parlé à la fille suspicieuse. Ah ouais, plus 1. On a parlé à l'auteur. Ok, là, on a parlé à Robert. Ok. Ah, plus 1. Donc, du coup, ça nous apporte peut-être des trucs différents. Parce qu'en fait, selon les choix qu'on fait, on aura des fins différentes. Alors, mardi matin, ville de M à la ville de L. Oh non, j'ai pas besoin d'une cage pour elle. Elle est d'une nature très calme, elle reste juste assise sur mes genoux, comme à chaque fois. Oh, c'est surprenant, elle n'est pas dérangée par le bruit et les gens. Elle est vraiment gentille, n'est-ce pas ma belle? Miaou! Gentil chat! Oui, vraiment, mon petit Bobby. Tu l'aimes bien? Tu peux la caresser si tu veux. Caresser chaton? Bien sûr, mais il faut faire doucement. Doucement. Observez. Ne dis rien, Sylvie, rien du tout. Oh, oh non! Reviens, ma chérie! Ih, qu'est-ce que c'est? Oh non, la peau, j'espère que le chien va le retrouver. Ah ouais, ville de L à ville de M. Oh non, la vieille, elle est trop triste. Moi, faut qu'on retrouve son chat. Jeune homme, s'il vous plaît, aidez-moi. Que se passe-t-il, madame? Tout va bien? Ma petite, elle a eu peur, elle s'est enfuie. Aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît. On parle bien d'un chat, n'est-ce pas? D'accord, je vais aller la chercher. Elle n'a pas pu aller bien loin. Oh, faites vite, s'il vous plaît. Eh ben, ça va, c'est bon, crie pas dessus comme ça. Hein. Alors, regardez, elle s'appelle Anne. C'est l'une des passagères du monorail, ok? Demandez à propos de la dame au chat. Salut Anne, tu n'aurais pas vu la dame au chat? Si, elle est grave en panique, tu devrais aller l'aider. Tu penses? Je sais pas si c'est dans mes cordes. Mais bien sûr que si, t'as vu dans quel état elle est? Ouais, je m'y mets. C'est ça qu'on veut, vas-y Amal, trouve-nous ce chat. On va lui demander si elle a vu le chat du coup. Est-ce que tu aurais vu ce tigre en fuite dans les environs? Malheureusement, je ne l'ai pas vu Amal. Elle est peut-être cachée quelque part. Ok, on quitte. Un distributeur automatique. Attends. Oh bah elle est là! Miaou! Ah, te voilà, petit fuyard. On dirait qu'il va me falloir une pièce pour te sortir de là. C'est vraiment un type bizarre. Tu ferais mieux de le laisser tranquille. Ouais, c'est clair. Donc faut qu'on trouve quelqu'un qui veut bien nous donner une pièce. Le journal. Cérémonie du souvenir. Pourquoi les villes s'affrontent-elles? Tout est prêt pour la grande finale. Elle remportera-t-elle la victoire? J'ai vraiment hâte que le match commence. J'espère qu'on va gagner. Et qu'en est-il de la cérémonie du souvenir? C'est quoi le problème? Alors, c'est le contrôleur, on le sait, de l'aide. Monsieur, nous avons un problème. Je peux t'aider? Un chat s'est retrouvé coincé dans le distributeur automatique. Un chat? Restez poli. Oui. Vous vous souvenez de la vieille dame assise juste ici? Je la vois presque tous les jours en compagnie de son chat. Tous les jours même. Je sais de quoi tu parles, mais je ne peux rien faire.
Attendez, pourquoi ça? Désolé, mais notre travail ici est de contrôler les tickets. Le reste est en dehors de nos compétences. Si tu as besoin d'aide, tu vas devoir demander à la police lorsqu'elle arrivera à la gare. Super! On a ainsi ce tien. Vraiment, c'est n'importe quoi. Jamais été aussi sérieux de ma vie. Le sujet est clos, mon garçon. C'est ce que dit la procédure et c'est pas autrement. Connard. Mais c'est trop bizarre le coup des villes. M et L. Alors du coup, faut qu'on demande une... Ah, peut-être que elle, on pourra lui demander une pièce, non? Elle va nous dire non, j'ai pas de sous. Alors attendez, juste un petit instant encore. Anne, j'ai trouvé le chat! Vraiment? C'est une super nouvelle! Par contre, elle est coincée dans le distributeur automatique. Il va me falloir une pièce pour la sortir de là. Tu m'en prêtes une? Hein? J'ai vraiment l'air de me balader avec de la petite monnaie? J'ai que ma CB sur moi. Gentil, allez. Sérieux, ça craint. Tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre. Voilà, on est... Je vais éviter d'agresser les gens, ça sert à rien. C'est pas de sa faute si elle a pas de pièce. Hein. La lumière est rouge, je suis ravie de voir que quelqu'un a trouvé l'écharpe que j'y ai mise hier. Heureusement que personne n'y a mis de charme, j'avoue. Joseph K. C'est Joseph K, c'est une infirmière. Et elle dort. Ouais, ok. Sefka, oh là là, elle ronfle comme un diesel. Elle a l'air vraiment fatiguée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de la réveiller. On va la laisser dormir pour l'instant. Peut-être on aurait pu lui piquer une pièce. Fille au look de geek. Je ne la connais pas, mais elle a l'air d'une scientifique un peu nerd. Alors, lui demander comment elle va. Bonjour, tout va bien? Petit déj égale false du coup énergie. Oh là. Et ça signifie que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner aujourd'hui? Je vais voir ce que je peux faire. Ah, faudrait lui rapporter un truc du coup, peut-être qu'elle a donné de l'argent. Ah bah ouais, le distributeur, mais du coup, compliqué. Vieux monsieur grincheux. Je ferais mieux de pas lui m'approcher de lui. Je cherche, dégage, ok, bonne ambiance. Est-ce que le mec il a une pièce pour nous lui? Demandez une pièce. Pourquoi s'embêter? Son collègue et lui ne m'aideront jamais à cause de leur stupide procédure. Ah c'est tout? Ah d'accord, ok. Ah genre, ok. Moi j'aurais essayé de lui demander une pièce parce que de l'aide, pas top, mais une pièce, ça peut le faire, non? Oh merde, j'ai pas changé le jeu, putain, merci Gavark. Merci, merci. Putain, je me disais bien qu'il me restait un truc à faire et je ne l'ai pas fait. Merci. Surtout que pour la clé, je vais en avoir besoin. Et coucou, Moselle Julie, ça va super et toi? Et merci pour le lurk, en tout cas des bisous. Et j'espère que tu vas bien. Ok, donc attendez, je fais ça et normalement on est bon. Nickel. Merci, Gavark. Alors, oui, la souris. Hop! Mais si, toujours. Toujours le SO. Donc attends, est-ce qu'on peut lui demander une pièce? Je la connais pas assez bien. Bah on va essayer de réveiller Joseph K. Hein. Je vois pas comment faire sinon. Hein. Ah peut-être la dame, on peut lui demander une pièce, non? Ok, pas du tout. Bah du coup, je suis dans la merde, quoi. Faut que je la réveille. Hein. Joseph K, Joseph K! Quoi? Ah mal, qu'est-ce qu'il te faut? Je suis tellement fatiguée, j'ai juste envie de faire une sieste. Désolée de te déranger, j'ai juste besoin d'une pièce. De la petite monnaie suffira. Il faut que je prenne quelque chose au distributeur automatique. Oh, bien sûr, tiens, j'en ai plein. Ces distributeurs automatiques sont un peu notre cantine à l'hôpital. Pourquoi toute cette agitation d'ailleurs? La vieille dame a perdu son chat. Lequel? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle vieille dame et quel chat? Tu dors encore, Sefka? J'ai rien dit. Bon, elle dort, c'est bien. Ok, donc on va pouvoir aller chercher... On va pouvoir aller chercher le truc. Utiliser. Bien, voyons ça. Vous auriez de la petite monnaie, monsieur? Bah, du coup, non, on a besoin pour le chat, quoi. Enfin... En effet, oui. Vous pourriez m'en donner? En fait, j'essaie de décoincer un petit animal dans le distributeur. Oh, je peux vous être utile. Donnez-moi la pièce et je m'occupe de votre chat. Ça marche? Oh, je sais pas si c'est une super idée, du coup. J'ai très peur. J'ai un peu peur, là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne la pièce ou pas? Ça m'inquiète un peu, hein. Ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'il va partir avec les sous et je vais jamais libérer le chat? Si vous le dites, tenez. Merci, monsieur. Ah ouais, ok. Ok, ok.
Oula! Oh! De rien! Bon, au moins elle est plus ici, mais je dois pas perdre plus de temps, allons parler à la dame au chat. Est-ce que là il est reparti le chat, quoi? Vous avez des nouvelles de mon chat? Le chat a été coincé dans le distributeur automatique. Oh non! Et c'est alors que j'ai pu la libérer. Excellente nouvelle, merci mille fois! Mais elle s'est de nouveau échappée. Oh non, la pauvre chérie! Ne vous en faites pas, on va la retrouver. Ah mais son chat est encore, aux abonnés absents, quoi. Attends, j'ai bien changé... Excusez-moi, je vérifie, parce que... J'ai bien changé le titre du... Hop. Ok, ouais, c'est bon, ça a bien changé. Nickel. Alors, du coup, par contre... Alors attendez, je vais juste faire une pause de 2 minutes. Je fais une pause de 2 minutes très rapide et après on va continuer un petit peu. Il faut que je gère quelque chose. Je vous dis à tout de suite.
Et re, Sugar. Bon, du coup, j'attends. Faudra peut-être que je m'absente, puisque j'attends quelque chose. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Alors, où est-ce que tu te caches, sacripant? Que quelqu'un la trouve. On dirait bien que l'urgence féline n'est pas retombée. Ou peut-elle bien être? Ah, tu vois, j'aurais pas dû donner les sous. J'aurais pas dû donner les sous à. Au mec. Pile poil, ah bah cool. Coucou Dralnia, tu vas bien? Et est-ce que t'as bien mangé du coup, Sugar? Alors, du coup. Le chat. Attends, faudrait trouver le chat. Où il va être, hein? Il y a le journal. Le conseil élu de Elle veut changer les accords commerciaux. Le nouvel album de The Kitties, cette chanson que vous allez adorer. Kitties, je crois déjà avoir entendu leur musique. Ils sont plutôt célèbres. Je vais lurker un peu. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup pour le lurk, Dralnia. Alors, une mère et son fils, ils se sentent coupables d'avoir provoqué l'incident félin. Où est chat? Elle s'est enfuie, tu es content? La dame t'avait pourtant dit d'être gentille, mais il a fallu que tu lui tires la queue et qu'elle t'a griffé. Pauvre chat, oui, et personne ne sait où elle est maintenant. Elle est probablement encore dans les parages. Ne vous en faites pas, elle reviendra, j'en suis certaine. Ok, il est temps de retrouver ce petit fuyard. Concentre-toi, Sylvie. On va voir. Bon, eux, ils peuvent pas nous aider. Je sais pas si on peut leur poser la question, mais... Désolée de vous déranger à nouveau. Je sais ce que tu vas me demander, mais notre travail ici est de contrôler les tickets. Le reste est en dehors de nos compétences. Un point, c'est tout. Ok, d'accord, ok. Merci beaucoup pour votre aide. Ouais, qu'on va pas lui parler, quoi. Au moins, c'est bien. Ils évitent qu'on se retape le même dialogue qu'avec Amal. Bah, elle est peut-être près du distributeur, hein. Lui, bon, lui... Tout ce que je sais, c'est que c'est un sale type. C'est sûr que non. Il a été très arrogant à mon égard hier. C'est un connard. On peut lui mettre une claque, un peu. Fille suspicieuse. Ah oui, elle est gentille, par contre. Alors, une fille suspicieuse. Pas si suspicieuse que ça. Bonjour, désolée de vous déranger, je suis à la recherche d'un chat perdu. Toi et moi dans ce train, notre émoi et notre entrain, c'est notre pain quotidien. Je connais cette chanson. J'ai entendu ça des fois, c'est toi, moi et le monorail, et je crois que c'est des Kitties. Toi, moi et le monorail, ouais, c'est nul, mais ça pourrait être pire. S'ouvrir. À Fi, on a un autre groupe plutôt populaire, il s'appelle les Dictionnaires. Vous en avez entendu parler? Je n'ai pas eu ce plaisir. Alors vous êtes deux filles, vous avez fait un sacré chemin. Ouais, ça fait un an que j'ai déménagé, mais j'ai l'impression que ça fait des siècles. Pour quelle raison? Le travail? L'amour? Les deux, mais c'est une longue histoire. Certes, et comment vous appelez-vous? Sylvie. Enchantée Sylvie, au plaisir de se reparler. Merci. Oh, et à propos de ce chat perdu? Non, je l'ai pas vu, désolée. Et comment elle s'appelle, elle? Elle ne nous dit pas? Alors, l'auteur... Oh là là... Oh non, elle va être chiante. J'ai terminé mon manuscrit, mais je ne sais pas s'il est bon à lire ou bon pour la poubelle. Voulez-vous bien m'aider, jeune esprit? Oh là là, on va l'aider, allez. Ok, allez-y, j'écoute. Donc, Kemur, le héros, le sage, le mage et combattant d'innombrables batailles. Cool, continuez. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Elle est ouf, elle. La laisser. Naquit dans une humble grange au bord de la rivière Mamaren. Il n'avait ni père ni mère, il était né des dieux et envoyé sur terre. Pratique. Je le répète, ne m'interrompez pas. On va l'interrompre. Désolée, je crois qu'on m'appelle Bye. Elle est conne, elle. Pardon, hein, mais j'ai pas envie de bien lui parler, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Fichu vandale. J'espère que la police va les attraper. Si elle savait. Jasmina. Je ne me souviens pas de son nom. Désolée de vous déranger, mais est-ce que vous auriez vu un chat dans les parages? Un chat? Tu veux parler du blanc qui courait partout ce matin? Oui, apparemment, elle est encore dans le coin. Oh, le pauvre. Mais je ne sais vraiment pas où il pourrait être. Tu as vérifié dans les toilettes là-bas? Non, je devrais en effet. En effet, à plus. À plus, bisous. Alors attends, là on peut parler à Marc du coup. Salut Sylvie, je suis contente d'apprendre que t'as retrouvé ton écharpe. Ouais, et il y a encore de bonnes âmes dans ce monde. Marc, on dirait bien que cette catastrophe n'a toujours pas été résolue. Ouais, c'est pas la meilleure chose pour pimenter un mardi si tu veux mon avis. Une idée d'où pourrait être ce fuyard à fourrure? Oh, j'en sais rien, je ne me suis pas posé la question. Tu as vérifié dans les toilettes? Ce serait une bonne cachette. Vraiment, dans ce cas, Sylvie, t'as eu envie de parler de Charlie? Pas encore, peut-être demain, désolé. T'en fais pas, Sylvie. Est-ce qu'on peut le regarder? Marc, un ami à moi, ok. Les toilettes. Ah merde, attends, je suis passée devant les toilettes. Je les avais vues tout à l'heure, les toilettes. Je sais plus où elles sont. Est-ce que t'as regardé là-bas dans les toilettes?
Il y a eu un truc dans le ciel. Hein. Mais attends. Attendez, j'ai un doute. Je crois que les toilettes, elles sont à droite. Je suis pas sûre. Hein. Oh, c'est bizarre. Est-ce que je peux accéder aux chiottes? Donc là, il n'y a rien, on est d'accord. Ah, je sais plus par où. Ok, d'accord. Pas besoin de sarcasme, j'ai bataillé avec un passager impoli ce matin et je n'ai pas envie de renouveler l'expérience. Super, bisous. Ok, donc non, ça va être tout à droite. Bah écoutez, si c'est à droite, c'est à droite, hein. Ouais, j'aurais vraiment pas dû... J'aurais vraiment pas dû... Je sais pas, où elles sont les chiottes, là? Ou alors c'est moi qui suis complètement miro. Ah, elles sont là. Les toilettes sont occupées. Frappez à la porte. Occupées. Hey, ouvre les yeux. Tu ne vois pas la lumière rouge, les gens, je te jure. Désolée de vous déranger, monsieur. Cherchez simplement un chat qui a disparu et... Un chat dans les toilettes sur un monorail. C'est juste absurde. Insistez. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits à vérifier, donc... Miaou. Attendez, c'était quoi? Comment ça? J'ai entendu un chat là-dedans. Impossible, il n'y a que moi ici. Miaou. J'ai pas rêvé, vous êtes un menteur. Non, c'est mon téléphone. J'ai des miaulements de chats en sonnerie. J'adore les chats, tu sais. Comme tout le monde, mais je jure qu'il n'y en a aucun avec moi ici. Miaou. Et ça, c'était quoi? La sonnerie du réveil? Ne vous fichez pas de moi. Mais il est chelou, lui. Ok, petite... supposons que j'ai un chat ici, avec moi. Ah ah, je le savais. Je l'ai trouvé seul et désemparé. Je l'ai prise sous mon aile et je lui ai même donné un nom. Calpurnia. Le tromper. Une telle générosité vous honore. Ouais, la générosité, c'est mon dada. Mais il faut que vous sachiez quelque chose sur votre nouvelle amie. Quoi donc? Elle a des problèmes de reins. Il lui faut un régime particulier et ses médicaments. Sinon, eh bien, je ne vous fais pas de dessin. Oh, c'est vrai? Calpurnia? Tu es malade? T'as pourtant l'air en bonne santé. Continuez à lui mentir. Vous êtes veto? Et est-ce que vous avez vraiment envie de risquer sa vie ainsi? Pauvre Calpurnia, elle a raison, je peux pas. Je ne peux pas avoir ta vie sur la conscience, pas avec les autres. Va. Rien qu'un petit mensonge ne puisse résoudre. Calpurnia, oh non, pauvre de moi. Tu es un monstre. Mais pourquoi on lui dit qu'on a menti? C'est débile. On aurait pu faire style, on lui... Qu'est-ce que... Que quelqu'un attrape ce chat? Ah, j'espère qu'ils vont réussir à l'attraper. Oh non, elle pleure encore. Mettons un terme à ce chat. Pitre, une bonne fois pour toutes. Pas comme les autres. De quoi pas comme les autres? Ah, les autres. Ah, attends, c'est ce qu'il disait le mec là par rapport à d'autres chats. Viens, ma petite chérie, viens. Oh, ça va être la merde encore. Lui, il m'énerve. Vous ne soyez pas comment. Fiche-moi la paix, c'est pas parce que je t'ai aidé qu'on est amis, tu piges. D'accord, bah s'il parlait des autres chats, ça donne envie. Ah mais attends, il est là. Chat. Prendre le chat? Le chat est sous le siège. Oh là, oh là, oh là, va falloir la pâter, ok. Aïe, range tes crocs, mini tigre. Ok, bon sang, je vais jamais arriver à l'attraper à main nue. Ama, elle est sous le siège. Oui, je l'ai vu. Dépêche-toi de trouver un moyen de l'attraper avant que le train n'arrive en gare. Viens, Minou Minou, viens dire bonjour à tonton Amal. Ouais, c'est compliqué, il va falloir que je trouve quelque chose. Peut-être la vieille, elle a un truc à me donner. On va y retourner. Peut-être qu'elle a une gâterie, un truc qu'elle donne au chat. On a trouvé le chat. Vous pouvez m'aider à... Viens ma petite, viens. On la trouve... Sors, s'il te plaît. Elle est trop sous le choc pour m'aider. Ok. Et elle, du coup... vous auriez un conseil sur comment attraper un chat? Ok. Et lui? Et... Voilà. Et maintenant, ils ne peuvent même pas tomber d'accord sur la cérémonie à la mémoire de l'explosion du premier monorail. C'est dingue. Ouais, je comprends. C'était une tragédie. Mais pour certains de ces isolationnistes, ce ne l'était pas. C'est incroyable. Des gens sont morts ce jour-là. Et maintenant, tu me dis que... Quoi? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas beaucoup la politique, monsieur. Je cherche simplement un chat, vous l'avez vu? Oui. Ah, qui en a quelque chose à faire de ce matou? Fiche-moi la paix.
Il y a Joseph K. Je suis sûre que ça va encore être Joseph K. Les toilettes. Les toilettes sont occupées. Je me demande qui est là-dedans. Ce serait marrant que le chat s'y cache, mais restons sérieux. S'il savait, occupé. Je sais que je ne suis pas votre passager préféré, mais on a des problèmes plus urgents là. Pas maintenant, s'il vous plaît. Il y a encore ce problème de chat et... Urg. Ah oui, d'accord, le mec est en train de se vider, hein, littéralement. On a besoin de votre... Ah, mon ventre! Serait-ce cette fichue barre chocolatée que j'ai trouvée dans le distributeur automatique ce matin? Je me demande ce que ces stupides procédures ont prévu dans ce genre de cas. Ouais, elle a bien fait quand elle a dit l'autre, je mange pas ce qu'il y a là-dedans, quoi. Le journal. La poigne de fer des banques de M. Nos affaires ne regardent que nous. Avec le match de ce soir, elle deviendra-t-elle championne? Oh yeah! Ce soir, on ramène la coupe à la maison. Hors de question que je rate ce match. La coupe à la maison, bien sûr. Alors, lui? Ah bah lui, il était dans la merde, il avait perdu son taf. Il s'appelle Robert, il vient de perdre son emploi. Bah ouais, c'est la tristesse. Salut Bob, ça roule aujourd'hui? Salut Amal, je suis reparti vider mon box au bureau. J'y ai mis tout ce qui m'appartenait dans cette boîte. Je suis navrée de la prendre, mais attends, la boîte est vide? Eh ouais, c'est pas triste ça? Ou ironique, voir les deux. Oh, bah l'encourager, non? Tu retomberas sur tes pattes, j'en suis certain. Ouais, j'espère, merci pour tes gentilles paroles. Oh, plus 5 heures. On nous kiffe un peu, non? Meuf, si on nous kiffe, alors j'emmerde tout le monde. Ok, ok. Être gentil. En fait, je sais pas si on est gentil, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut se fâcher. Tout le monde dans le train est en panique et c'est le dernier passage de la journée. J'en ai rien à faire, t'as qu'à appeler la police à la gare. Connard, c'est pas mon boulot, je ne vais pas lever le petit doigt. On va se fâcher? C'est fou, hein, vous êtes fou. J'en ai plus qu'assez de toi, jeune homme. Je vais appeler la police ferroviaire maintenant. Je ne me sens pas. Ça va aller? Oh merde, attendez, ça se trouve, il fait une crise cardiaque. Oh! Mais c'est horrible! C'est de ma faute! Attendez, quoi? Et allez, c'est reparti! Encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors attends, ça n'est sûrement pas grave, c'est déjà arrivé la semaine dernière. Contente-toi de pas le toucher, il respire encore, on va bientôt arriver à elle. Ah ouais, gros délire en fait. Ah bon? J'étais pas au courant. C'est arrivé durant une garde de nuit. À part moi et une infirmière, il n'y avait personne d'autre à bord. Délire? Il est à terre, il respire, on est presque arrivé, pas de panique. Je me sens coupable. Ouais bah écoute, s'il respire, tant pis hein. Et si on lui reparle à lui, à Robert, du coup il va nous dire un truc? Des questions sur le contrôleur, ouais. Vous pouvez prendre soin du contrôleur. C'est déjà arrivé. On a essayé de l'aider et il s'est mis à vociférer que la procédure interdit qu'on le touche et il a voulu appeler la police. C'est surprenant. Dans ce cas, tant qu'il respire, ça va et on est bientôt arrivé à elle. Je pourrais demander de l'aide à son collègue, mais c'est inutile à l'heure actuelle. Oui, il est en train de se vider l'autre. Coucou RS, comment tu vas? Bah du coup, faut que je trouve un truc pour attirer le chat, toujours. Je jure que plus jamais je ne mangerai quoi que ce soit qui sort de ce distributeur automatique. Elle dort. Je me sens toujours mal de l'avoir réveillée ce matin. Bah je sais pas comment faire en fait. La boîte. D'accord. Bah ouais, comment je l'attire le chat, j'ai rien. Peut-être là. Oh là là, je me serais jamais imaginé capable de ça. Super. Super, mais ça me dit pas comment faire. Comment l'attraper? Elle est toute mignonne, mais ses griffes un peu moins. Bah je sais pas. Le chat est sous le siège, faut que je trouve un moyen de l'attraper. Ouais, mais depuis tout à l'heure, on n'est pas bien, quoi. Ok. Je sais pas du tout. On va repasser et repasser, hein. Je sais pas grand chose de lui et il me fout la pétoche. Mais il m'a quand même aidé pour le chat. Ah, j'ai fait tous les messages automatiques hein, qu'il fallait. Ça, on s'en fout. La mamie, peut-être, non? Ouais, elle est trop sous le choc. Ça va être compliqué, là. Tout le monde s'en fout, en fait, de moi, là. Est-ce qu'on la réveille? Pas du tout, on peut même pas la réveiller. Occupé, ok. Est-ce que je peux le faire craquer un peu? Laisse-moi seule, par pitié! Attends, je vais réessayer une fois, mais je pense que c'est mort.
Ok, ouais, c'est juste pour avoir des dialogues différents, quoi. Le journal, mais c'est pas avec le journal que je vais l'attraper. Ah, boîte. Mais oui. Ah, mais oui, purée. Je pense savoir comment tirer profit de cette boîte vide. Bah oui. On pourra, le chat va automatiquement aller dans la boîte, bien évidemment. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci. Ok. Tente hein, quelque chose, on va aller attraper le chat. Très bizarre. Merde. Hop. Non. C'est ça, c'est le piège à chat idéal. Oh non, merde, c'est pas ça. Il faut que je me concentre. Hop. Est-ce que je vais être condamnée à mourir de faim? Je ne sais pas. Je voulais commander quelque chose et ça a été annulé. C'est génial. Sachant que j'ai grave la flemme. Bah ça va tranquillou. Ah, le chat. Utilisez la boîte. Trop bizarre. Je vais retenter. Ok, on va essayer ça. Aucun chat sur Terre ne peut résister à une boîte vide. Enfin, je te tiens. Miaou! Oh, ma petite pépette! T'es en sécurité maintenant, viens me voir. Quelle journée! Oh bah, tu m'étonnes. Ah ouais, il y a ça aussi. Ok, donc là, ce qui s'est passé. On n'est pas intervenu dans la discussion avec Sylvie. Avec Amal, on a laissé le chat sortir du distributeur automatique. On a donné une pièce à l'homme suspicieux. On a rendu le contrôleur en colère. Ouais, moins 1. On a réveillé Joseph K. Moins 1. Pièce reçue par Joseph K. On a laissé le chat sortir des toilettes. On s'est ouvert à la fille suspicieuse. Donc plus 1. Mais on a menti au vieux sans-abri. Et ouais, là, on a fait que du moins 1. On a attrapé le chat avec la boîte vide. On a encouragé Robert. On n'a pas demandé la boîte à Robert. Ah merde! On a fait s'évanouir le contrôleur de L. On a rendu le contrôleur de L en colère. On a été infect. Infect, infect. Waouh, ok. Mercredi matin, ville de M à ville de L. Mais où est passé mon monorail reluisant de propreté? Je te donne une piste. Air disc, finale L, champion. Même moi, j'ai résolu l'énigme. Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Tu ne suis pas du tout le sport? Et pourquoi je le devrais? Et toi? Pas vraiment, mais Charlie a regardé le match hier soir. Et coucou Camélie, comment tu vas? Et dans les prolongations, il se passe quoi? Le but en or vaut plus de points que le but en argent? C'est pas si compliqué, tu vois, lorsque la défense... Ok ma belle, je comprends, mais je ne vais jamais me rappeler de tous ces trucs. J'ai pigé. Eh, vous? Oh bon sang! L'horizon est nuageux. Oui, nous avons nos tickets. Oui, oui, je me souviens de vous, mais tout ceci, c'est de la folie. Je ne peux rien faire seul, mon collègue. C'est vrai? Où est donc ce vieux maigrichon? Je ne le vois nulle part. Il n'est pas là, il est malade. Il s'est évanoui hier soir à bord du monorail, mais ce ne sont pas vos affaires. Le vrai problème, c'est que maintenant, je suis tout seul. Navré de l'entendre? C'est moi qui suis navré. Comment je vais gérer ça tout seul? Si on ne compte pas les hooligans à la gueule de bois, ça m'a tout l'air d'un jour comme les autres. Il le faut, c'est mon devoir de préserver l'ordre. Vous deux, vous pourriez m'aider et contrôler les tickets des voyageurs? On va accepter, ça nous fera un cœur. Pas de souci pour le SO Camélique, avec plaisir. 20 minutes, et bah ça marche, merci beaucoup de souffler sur mon live, super gentil. Et bon courage pour tes journées, du coup. Oui, oui, oui. Hein? Bien, bien. Jusqu'ici, j'ai contrôlé tous ceux qui portaient cet affreux maillot. Il reste tous les autres passagers. Voici des badges qui vous en donnent l'autorité. Vous êtes maintenant mes adjoints. Oh, je sens le pouvoir monter en moi. C'est trop hilarant pour un mercredi, ça. Souviens-toi que ton rôle est uniquement de contrôler les tickets. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je serai à l'endroit habituel en train de me rep... ah oui, voilà, de vérifier que tout est sous contrôle. Il a fondu un plomb, je bougerai pas le petit doigt. De quoi? Travailler de si bonne heure? Non mais je passe. C'est incroyable. Allez, pas de temps à perdre. Tremblez, ticket, la nouvelle adjointe doit vous pincer. Alors, bonjour. Ah, attends, qu'est-ce qu'elle met?
Bonjour monsieur, je suis la nouvelle contrôleuse adjointe. C'est moi qui suis chargée de contrôler vos documents de voyage ce matin. Voulez-vous bien me les présenter ? Non mais regarde-toi, il y a 2 minutes on était amis jusqu'à ce que ça arrive. Monsieur, j'essaie juste de faire mon travail. T'es complètement fêlé. Tiens, voilà mon passe. Merci bien monsieur, premier ticket vérifié, c'est le premier pas qui compte. Elle est ouf. Les histoires dans les trains ont toujours un côté effrayant, soit surnaturel, soit froid, réaliste. C'est grave ça, ouais. Mais là, c'est super sympa. Bah écoutez, je vais juste refaire une toute petite pause, très rapide. On a encore un peu de temps, ma commande n'arrive absolument pas tout de suite. Donc je vous dis à dans 5 minutes et puis on va continuer l'histoire. Je crois qu'en fait, il y a juste... il y a une semaine, je crois. Je crois que le jeu est assez court, donc à la rigueur, on peut continuer, voir ce que ça donne. Ça va être très sympathique. Je vous dis à tout de suite. Ok, on va reprendre, on va continuer. Donc du coup là le but c'était de contrôler les tickets des gens, de tous ceux qui n'ont pas de t-shirt. J'ai dit que je ne lui parlerai plus jamais, j'ai l'intention de tenir ma promesse. Ouais mais il faut pas qu'on vérifie son ticket à lui du coup. Bonjour Sylvie, comment ça va aujourd'hui?
Pas trop mal, le contrôleur m'a demandé de l'aider et de vérifier que les passagers sont en règle. Haha, comme c'est drôle. Et alors, ça se passe comment? Eh bien, je n'ai vérifié qu'un ticket, j'avoue. Bon, après un ticket, ça va, ça passe. Tranquille. Pas génial, hein, je dois l'avouer. T'as besoin d'aide, alors ajoute celui-ci au total. Voici mon passe, merci pour ton bon travail. Merci, mais je crois pas encore connaître ton nom. Ramona, mais mes amis m'appellent Ram, et toi aussi du coup. Oh d'accord. Dans ce cas, merci Ram. A plus. A plus dans le bus, bien sûr. Yosefka. Elle dort profondément. J'ai jamais vu auparavant. Bah, je vais la laisser dormir. Je ferais mieux de la laisser se reposer, elle a l'air d'en avoir besoin. Ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas me niquer auprès du contrôleur qui va me dire, bah, il faut que... Il aurait fallu que je voie son ticket. Il me gratte. Ticket, s'il vous plaît. Burk. Oh là là. Tu nettoies, c'est moi qui décide maintenant. Ah oui, tu nettoies, ok, d'accord. Oui, parce qu'elle est adjointe, ok. Maman, madame, elle dort. Oui, elle fait la sieste. Elle est fatiguée? Probablement, oui. Mais c'est matin. Elle a dû travailler sur... Elle a dû travailler cette nuit, tu ne crois pas? Oh. Bonjour, madame. Je suis la nouvelle contrôleuse. Adjointe, c'est moi qui suis chargée de contrôler vos documents de voyage ce matin. Voulez-vous bien me les présenter? Eh bien, en voilà une surprise en cette matinée déjà agitée. Voilà mon ticket. Et pour votre fils? Il a 3 ans et il est avec moi, il n'en a pas besoin. Oui, bien sûr, faites bon voyage. Merci. Oh, à propos, vous saviez que le chat Fugger a été retrouvé? Vraiment? C'est une super nouvelle. Je n'ai pas encore parlé à la dame au chat. Au revoir. Ah, plus dans le bus, ouais, c'est ça. À tantôt, rame de métro, pas mal. Jamais 203, ok, du coup ça c'est bon. Eux, on n'est pas obligé, on peut leur parler. L'air disque et la bière vont de pair, d'accord? Il a l'air triste, lui, Peter Orville. Le supporter est le seul à ne pas boire de bière. Oui, oui, c'est bien moi. Pardon? Oui, c'est moi-même, en chair et en os. Où est-ce que je dois signer? Qu'est-ce que... Monsieur, ce matin, je suis la nouvelle contrôleuse adjointe. Oh, mais je vous reconnais. Oh, Dieu merci, enfin quelqu'un du personnel. Oui, je suis Peter Orville, le Peter Orville, le nouveau champion Peter Orville, et j'ai besoin d'aide. De quoi avez-vous besoin, monsieur Orville? J'ai perdu ma bague de champion pendant la fête sur ce monorail. Vous pourriez m'aider à la retrouver? J'ai déjà regardé partout. Avez-vous regardé dans la boîte aux objets trouvés? Ce truc, c'est juste une poubelle. J'ai déjà vérifié. Vous saviez que son mot de passe, c'est 1234? C'est tellement stupide. Je vais pas le contredire. Je suis navrée, je ne l'ai pas vu et je ne peux pas vous aider. Notre travail consiste uniquement à contrôler les tickets. Dommage, merci quand même. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on peut quand même trouver sa bague sans... Là, on lui dit non, mais en vrai, on cherche sa bague. Je sais pas, hein. C'est possible, hein. Dites les toilettes. J'espère que c'est pas dans les attributions du contrôleur adjoint de nettoyer ça. Bah, Joseph K, je la laisse. On a vérifié. Fan de hard disk, c'était mon siège. Pff. Alors, et il ne faut pas que je me lance sur le design de leur maillot. Bon d'accord, pas besoin de haute couture, mais il y a quand même des limites, Burke. Moi j'avoue que le maillot est dégueulasse. Hein. Alors là, je me demande s'ils ont trouvé qui a fait ça au distributeur automatique. Hé, il y a quelque chose coincé dans le monnayeur. Le prendre? Voyons si je peux m'en emparer. J'ai mis le doigt dessus, mais ça l'a enfoncé encore plus profond. Je peux même plus l'atteindre. Enfin bref. Oh non! Oh non! Oh bâtard, ça se trouve il y avait la bague. Ça se trouve, il y avait la bague, j'aurais pu la prendre. Tant pis. Murmure. Hé, hey, il y a quelqu'un? Ok. Désolé de vous déranger, mais puis-je voir votre ticket? Attendez. Non, l'inverse. Hein, quoi? Votre ticket? Je suis contrôleuse adjointe aujourd'hui et je vérifie que les passagers sont en règle. Oh, le ticket, vous dites? Ce genre de détails ne m'intéresse pas. J'ai rendez-vous avec un éditeur aujourd'hui et j'espère qu'il sera intéressé par ma saga de Dokemour. Insistez. Allons, vous ne pouvez pas voyager sur le monorail sans être en règle. Montrez-moi votre ticket. Je suppose que je n'ai pas le choix. Le voilà. Merci beaucoup. Excellent. J'ai tout contrôlé. J'ai contrôlé 4 tickets. Ok. Ces types n'ont pas un emploi ou autre chose à faire? Apparemment non. Ah, la femme au chat. Bonjour madame. Je suis la nouvelle contrôleuse adjointe. C'est moi qui suis chargée de contrôler vos documents de voyage ce matin. Voulez-vous bien me les présenter? Oui, bien sûr. Voilà mon ticket. Merci. Oh, il est tellement doux. J'ai entendu que le chat qui s'était échappé a été retrouvé. Celle-là, c'est un amour, elle ne s'enfuirait nulle part. Ne vous en faites pas. Parlez du blanc qui s'était échappé hier. Hier, blanc? Mais pas du tout.
Vous ne voyez pas qu'il est gingembre ? Enfin bref, faites bon voyage. Excellent, j'ai contrôlé 4 tickets. Bizarre. Bah du coup, je lui parlais. Alors adjointe, quelle est ta progression ? Ah, la bague perdue, ouais. Peter Olive, le champion d'Air 10, qui a perdu sa bague de champion et... Oh non, je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Notre travail, ici, est de contrôler les tickets. Tout le reste n'est pas dans nos attributions, c'est ça ? Précisément. Dis donc, t'apprends vite, adjointe. Et surtout, nous n'ennuyons pas les autres passagers à ce propos. Ok. Bah... Ok, je vais continuer. Bah, en fait, il y a Joseph K qui dort, mais faut que je la réveille, du coup. Et, Ah, j'aurais pu trouver la bague. Mais alors, comment, je sais pas. Comment j'aurais pu aller la chercher, en fait ? Il m'aurait fallu un... Il m'aurait fallu un outil. On va la réveiller, tant pis, hein. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Hein, quoi ? Pourquoi tout le monde cherche à me réveiller ? Excusez le dérangement, madame, je suis votre contrôleuse adjointe pour ce matin. Ce matin ? Oh là là ! Ai-je trop dormi ? Il est quelle heure ? On est dans quel train ? C'est le monorail de 7h35 à destination de L, madame. L ? Oh non ! J'ai vraiment trop dormi cette fois-ci ! Faut que je reparte à M ! Dans ce cas, vous avez juste à rester à bord et prendre le prochain dans l'autre sens. Oui, certainement. Je vais faire ça. Mais pourquoi les contrôleurs n'ont-ils pas essayé de me réveiller ? On va rester poli, non ? Apparemment, il manque d'effectifs. Oui, je vois bien. Enfin bref, merci de m'avoir réveillée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, je suis chargée de contrôler votre titre de transport. Vous voulez bien ? Bien sûr, voilà mon passe. Merci bien et bon voyage. Ouais, j'ai là contrôlé 5 tickets. Bah, je crois que j'ai plus besoin de contrôler de tickets, en fait. Hein. Si, il y a lui, mais lui, elle a dit, je lui parle plus. Je ne suis pas assez payée pour l'écouter. Ouais, voilà, donc tant pis. Bah, en vrai, j'espère que ça va être bon. Hein. Parce que ça se trouve, ils vont me reprocher... Ça se trouve, ils vont me reprocher d'avoir... De pas avoir contrôlé Joseph K. Possible, hein. Attends, je vais lui parler. Alors, adjointe, quelle est ta progression ? Comment se passe le contrôle des tickets ? Super ! J'ai contrôlé 5 tickets. Bien, bien. Ne musarde pas, chère adjointe. Nous avons une mission à accomplir, notre devoir à honorer. Attends, faut que je continue ? Mais du coup, je contrôle qui ? Parce que elle, c'est OK. Elle, c'est OK. Mais il n'y a que le mec à qui je parle pas, mais je peux pas le contrôler, du coup. Ok, leurs tickets ont été vérifiés. Marc, déjà fait. Bah, il n'y a que lui, mais lui, elle veut pas. Donc, du coup, comment ça se passe ? C'est un peu compliqué, là. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de... essayer de faire quelque chose et on va voir faut que j'essaie de gérer un truc et du coup j'y arrive toujours pas. Ok. Hop. Bah ouais, parce que là ça va être très compliqué, quoi. Bah ouais, ouais, il a été arrogant, mais ça se trouve si elle nous avait pas mal parlé ce serait bien passé. Suivant. Ok, je vais essayer de cliquer même sur les supporters. Déjà vérifié. Ça va être compliqué là, non ? Toilette. C'est pas à moi de nettoyer ça. C'est super. Et hop. La mère, j'ai demandé. C'est bizarre. Fan de Air Disc. Ils ont pas un emploi. Je suis désolée de pas pouvoir l'aider. Bah, je pense qu'on a enfoncé sa bague. Mais en fait, là, il y a un problème. C'est que je pense que c'est la merde, non ? Là, j'ai rien. Est-ce que j'ai perdu la partie ? Non, je pense pas que j'ai perdu. Ah, mais je peux abandonner ? Bah ouais, mais c'est complètement con d'abandonner, non ? Après, peut-être que abandonner, enfin, c'est traduit comme abandonner, mais en fait, ça veut dire on a fini, quoi. Je sais pas. On va voir. Non, bah écoutez, on va aller le revoir et puis lui dire que bah nique, hein.
J'en ai fait assez, il est temps de rendre ce badge. Génial, contrôleuse pour une journée, je viens de réaliser un rêve de gosse. Ah d'accord, ok, en fait on peut continuer à fureter quoi. Ok. Waouh, la fête a dû être démente la nuit dernière. Elle est championne, elle est championne, elle est championne. Ouais, ouais, c'est ça frangin. Réjouis-toi, à cause de cette pagaille, j'ai dû annuler mon service et dormir chez maman. Imagine à quel point je suis détendue là. Oh allez, je suis sûre qu'elle était ravie de te voir. Peut-être trop, je pense. Ok, donc Jasmina, ma sœur Jasmina. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'aime aussi, sœurette. Bonne ambiance, hein? Alors, je les envie. Je voulais me joindre à la fête, mais prendre un congé maladie aujourd'hui aurait eu l'air trop lourd. Trop louche, mon patron ne va pas tomber dans le panneau, c'est clair. Le temps. Pardon? Oula, tous les jours on voyage du point A au point B et vice versa, et même si la durée du voyage est la même, on l'aperçoit différemment à chaque fois. C'est pas faux. Quoi? On essaie? Attendez. On essaie toujours d'encapsuler le temps dans des secondes, des minutes, des heures, mais rien n'est absolu. Elles ont toujours un ressenti différent. Pour nous dans le monorail, pour les autres dans les villes, pour les pilotes qui volent dans le ciel, qui nous entourent. C'est pas faux. Ah, selon notre humeur aussi, de toute façon, le temps passe différemment. Et selon ce qu'on attend. Y as-tu déjà pensé? Oui. Alors, eh bien, là, je sens bien les secondes qui se transforment en minutes. Alors? Oh, ma sœur est en train de m'appeler. Désolée, je reviens dans une seconde, hein. Ou une heure, sans fonction. La feinte. Ou une heure, hein, sans fonction, hein. Le film, merci pour la découverte, un jeu bien inspiré. Merci beaucoup, Camélique, en tout cas, d'être passée. Des bisous et bon courage à toi, du coup. Et merci pour le lurk. Bon sang, ok. Au moins, elle est déjà réveillée cette fois. Toc, toc, toc. Voilà, santé, mon pote. Elle est championne. Ok, donc lui, il continue à vomir. Hein. Ok. Pas bien de pas le déranger sans raison. Ah, il y a toujours sa bague. Oh mon dieu. Oui, oui, c'est bien moi, Peter Orville. Monsieur Orville, je suis un grand fan. Félicitations pour votre titre. Elle est championne. Certes, jeune homme, mais je suis trop inquiet pour fêter la victoire. Qu'est-ce qui vous tracasse, monsieur Orville? J'ai perdu ma bague de champion à bord de ce monorail. C'est fou, ou ça? C'est ce que j'essaie de savoir. Elle n'est pas dans la boîte aux objets trouvés et est-ce que je peux compter sur toi si tu la croises? Bien sûr, mon capitaine. C'est mon moment de gloire, je vais m'en occuper tout seul. Personne d'autre ne doit être impliqué. Ok, calme-toi. C'est une bague, hein. C'est un mec, hein. Il chie comme tout le monde. Hein. Tranquille. Alors. Ok, ouais, faut qu'on passe à gauche. Hein. Peut-être on peut lui parler à la sœur. Ok, non, elle s'en fout. Oh merde! Et il y a Anne. Bonjour Anne, tout va bien? Pas vraiment, à mal. J'ai la tête qui tourne ce matin. J'ai quand même décidé d'aller travailler, mais je regrette au final. En effet, t'as pas l'air dans ton assiette. Comment puis-je t'aider? Tu pourrais aller demander si quelqu'un a une aspirine ou autre chose dans le genre. Ce serait vraiment gentil de ta part. Bien sûr, bouge pas d'ici. On va essayer de l'aider. Salut Jazz, salut Frangin. Est-ce que t'aurais de l'aspirine? J'en avais dans ma trousse dans l'avion, mais du coup elle est restée dans l'avion. Désolée, à mal. D'accord, merci quand même. Ok, donc elle, c'est bon. Est-ce qu'on parle à... on leur parle à eux? Non, pas du tout. Eux, ça sert à rien de leur parler, quoi. Okay. Il est encore hors service. Je suis pas surpris, hein. Le coup de pied était digne de Bruce Lee. J'espère qu'ils vont bientôt le réparer parce que je suis en manque, là. Regardez-moi de ces choses délicieuses, mais malheureusement, pas de médicaments pour Anne. Hé, il y a quelque chose coincé dans le monnayeur. Voyons si je peux m'en emparer. Ouais, j'ai réussi à l'extraire, mais attends. Waouh! De lui rapporter, c'est ma top priorité. Pas de temps à perdre. Go, go, go. Ok, on a trouvé la bague. Mais du coup, je me demande si on touche, si on la touche pas avec, Sylvie. Est-ce que on peut la récupérer ou pas? Bon, au moins, on a trouvé la bague avec un des deux. C'est déjà ça. Mon capitaine, j'ai quelque chose qui vous appartient. Ah oui, merci, je peux enfin respirer. Allez, on le dit encore. Elle est championne, elle est championne, elle est championne. Contacte-moi si tu veux des billets gratuits. Ouais, elle est championne. Trop bien.
Bon, du coup, c'est cool. On va repartir. Ah oui! Est-ce que aspirine, cherche une aspirine. T'as frappé à la bonne porte, l'ami. J'ai toutes les pilules que tu puisses imaginer. Tentez d'en savoir plus. Une amie n'a pas vraiment la forme en ce moment. Vous auriez quelque chose pour remédier à ça? Je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça, ça va l'air quinqué. Je te l'offre. Si t'as besoin d'autre chose, tu me trouver. Ok, merci, à la prochaine. C'est sûr. Ouais, non, mais là, le problème, c'est que. Est-ce que je peux pas demander. Ah, mais peut-être Joseph K, elle est médecin. Bah ouais, j'aurais pu lui demander. J'ai déjà trouvé de toute façon. Oh, oh merde, on va lui filer de la drogue à Anne. Ça va très mal tourner. Je crois que c'était pas le bon délire, là. Je crois que là, on a un peu fait... J'ai un peu fait de la merde. Bizarre, cette pilule, c'est quoi exactement? Le type qui m'a donné m'a garanti que ça soulagera ton mal de tête. D'accord, essayons dans ce cas. Oh là là. On n'est pas sur un bon délire, je crois. C'est tout bonnement inconcevable. Qu'est-ce que tu me veux? Combien de fois devrais-je vous le dire? Vous êtes interdit d'accès au monorail. Vous êtes toujours ici et jamais je ne vous ai vu acheter de ticket. Et qu'est-ce que tu vas faire, vieux morse? Me frapper? Appeler la police? Ridicule. Nous? Alors, nous avons été gentils avec vous toutes ces années à cause de votre histoire. Mais aujourd'hui, c'est terminé avec l'arrivée de mon nouveau collègue. Tout va changer dès demain. Ouh! J'ai peur. Regarde, je tremble. Je vais me retirer dans mon office pour me calmer. On se reverra plus tard, vieux fasciste. Et toi, jeune fille, tu ne vaux pas mieux que lui. Waouh! Stop! Oh là là! C'est pas possible, c'est pas possible! Je me souviens de ce vieux monsieur. Il a essayé de kidnapper le chat de la vieille dame, Calpurnia. Un kidnapping de chat? Un chat-napping? Oubliez ce que j'ai dit, hein, je divague. Dis, cher adjoint, tu pourrais tenter de le raisonner? Il se cache probablement encore dans les toilettes du train, comme d'habitude. On dirait bien que je reprends du service. Oh! Pas de badge cette fois-ci? Il me donne vraiment pas de badge? Ok, j'y vais! Let's go. Oh, Grisouille, quel beau coucher de soleil ce soir. Quelle beauté, quelle bénédiction. Non, mais elle change de chat à chaque voyage, en fait. Elle est ouf, elle. Tellement mignon. Là, elle a pas touché le chat, par contre. Pauvre de moi, pauvre de moi. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste l'éternelle bataille de l'artiste contre le monde. Vous pourriez me laisser en paix? Oh, d'accord. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, elle a pas dû avoir sous contrat, je pense. Il n'y a plus de bagues là-dedans. Heureuse, Para. Mais ils sont encore là. J'ai vraiment eu la trouille, je vais plus lui parler. Combien de temps va durer sa gueule de bois? Ok, il y a mon collègue, du coup. Et on repart. C'est reparti. Ah, du coup, tes courses se sont bien passées, Spara? Ça a été? Ah, le journal, tiens. Timing parfait, t'as eu direct le bus pour rentrer. Ah bah ça, c'est super cool. Bon bah c'est bien alors, ça s'est bien passé. Alors, les hooligans se déchaînent, le monorail est un désastre. Personnel sous pression, nous sommes en sous-effectif. En tout cas, il a raison pour la pagaille, mais pas un mot sur le magnifique travail de l'adjointe. Je suis vraiment déçue par le service de presse du monorail. Ces types n'ont pas un emploi ou autre chose à faire, bon, ça elle l'avait déjà dit. Ah oui, les toilettes, attends. Désolée de vous déranger, est-ce que vous êtes là? Bien sûr que oui, et vous êtes qui? Moi, même pas. Hein. Oh, c'est toi, je veux plus te voir. Mais tu es importante, faut qu'on parle. Retrouve-moi demain matin et nous parlerons. Accepté? Demain matin dans les toilettes du monorail? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu verras en temps et en heure, mais demain. Ok. Oubliez le pain de mie à l'épicerie. Oui, bah oui, oui. Puis bon, au moins comme ça... Ça dépanne toujours d'en avoir une à côté de chez soi. Tiens donc, regardez qui est là. Oh, salut mec, c'est bon de te revoir. On dirait bien que quelqu'un a retrouvé un travail. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Le poste était à pourvoir à partir d'aujourd'hui et j'ai sauté sur l'occasion. Essaie de pas t'évanouir à ton tour, hein. Tu es à plein temps? Je vais être à temps partiel pour les premières semaines, mais ça me convient parfaitement. Se montrer intéressé. Ravi de l'entendre, vraiment? Ouais, c'est pas bien prestigieux, mais c'est stable avec de bonnes opportunités de carrière. On dirait bien qu'on va se recroiser souvent à l'avenir. Probablement oui. Écoute, je t'ai jamais remercié pour ta gentillesse. Ça m'a aidé à tenir le coup, vraiment. Pas de soucis, mon frère. Et d'ailleurs, voici mon passe. Tout est en règle. Bon voyage, monsieur. Ok, bon, on a fini la journée. Du coup, on a contrôlé les 5 billets.
On a essayé de libérer la fente pour les pièces du distributeur automatique. On a accepté d'être contrôleur adjoint des billets. On a aidé Josefka plus 1, la fille suspicieuse, à révéler son vrai nom plus 1. On a trouvé une pilule pour Anne, la pilule pour Anne donnée par l'homme suspicieux. On a trouvé la bague de Peter Harvey plus 1. Ah ouais, donc du coup, la pilule, ça compte vite fait, quoi, par rapport au fait qu'on nous apprécie ou pas. Ouais, il est vachement cool. Bah, je pense que malheureusement, conversation amicale avec Robert. Je pense qu'on va arrêter là, pour aujourd'hui. C'était grave cool. Du coup, je vous remets les liens Steam de la page Steam des différents jeux qu'on a testés. Donc, il y a eu The Wandering Village. Donc, en fait, bah, voilà, un jeu de construction. En fait, on est sur le dos d'une énorme créature et on doit faire vivre notre village, etc. Bien sûr, vous retrouverez la VOD sur YouTube. Et donc, la YouTube est ici. Et voilà, donc on a fait tout le tuto, quasiment. Ensuite, il y a eu Murder is Game Over, donc un point and click en pixel art, donc qui est en anglais par contre, et avec une histoire un peu de château hanté, etc. Donc assez sympa, on incarne un détective et son chien qui, elle, peut voir les indices. Il n'y a que la chienne qui voit les indices, donc assez sympa comme principe. Et ensuite, ce jeu-là, donc Monorail Stories, donc du coup un jeu, bon, je pense que ça dure une semaine à peu près. Une session le matin avec les deux persos, Sylvie et Amal, et une session le soir. Et en fait, on a quand même des petits choix à faire, etc. Et donc, il y a une rejouabilité, parce que la fin, normalement, n'est pas pareille selon les choix qu'on a faits. Voilà. Donc, du coup, voilà. Au niveau des réseaux, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Discord. Il y a le planning, il y a différentes choses, il y a des annonces de live. Par contre, sur Discord, il faut patienter un tout petit peu quand vous le rejoignez, pour qu'un modérateur ou moi-même vous donne l'accès aux autres salons. Il y a un texte à lire et une petite phrase à écrire. Voilà, donc du coup, alors merci à Sugar Everlasting, à Baboulouf pour les follow. Merci à Arcanoid et à Mickey pour les subs, et merci à La Puissance du Brocoli pour le raid. Voilà. Du coup, on va faire justement un petit raid. Ah, bah écoutez, on va aller voir un peu de souffrance. Ça nous changera. Alors, c'est pas forcément dans le même thème, mais ça nous changera un petit peu de l'indé. On va aller voir Capitaine Manette qui est sur Dark Souls 2. Découverte de Dark Souls 2, normalement, puisqu'il a déjà fait tous les autres Souls avant. Donc, restez pour lui faire un petit coucou. Coucou Aline. Et écoute, bonjour à toi et avec plaisir. Et avec plaisir, et merci d'avoir suivi le stream, du coup. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Normalement, il y a un stream demain qui sera sur Unusual Findings, donc un point and click avec une ambiance un peu Stranger Things. Donc voilà, je pense que ça commencera vers 11h midi, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça, allez sur ou Twitter ou le Discord pour être au courant des streams, parce que pour l'instant, il n'y a pas de planning. Enfin, je ne refais pas de planning, donc je vous l'annonce là-dessus, en général, voilà. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne et à activer, bien sûr, la cloche pour les alertes quand il y a un stream, voilà. Des bisous à tous, bonne fin de journée et merci d'avoir suivi le live.